À l'aube de la civilisation, les humains se concentraient sur une seule chose, un objectif aussi essentiel que difficile. Survivre! Eh oui. Aube de la civilisation. J'ai pas envie de lire le truc parce que c'est long et pas important. Les Sims construisaient des huttes pour se protéger des aimants et consacraient une grande partie de leur temps à rassembler juste assez de nourriture pour vivre. Haine. L'heure est venue d'assumer votre rôle de leader. Accueillez des Sims sur vos terres pour qu'ils y montent les fondations d'une grande civilisation. Ils disposent de terrains de chasse pour des gibiers et de lieux de pêche pour attraper des poissons. Oui, bon, ça je connais. Ressources essentielles, le bois, c'est l'argent de l'époque. Oh, je ne connais pas cette map, tiens. Si c'est vraiment ça, hein, la map. Hein. J'étais là à dire, il faut construire des routes. Parce qu'on déb, les routes. Toi, pour l'instant. Ça, ce sera bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends. Oup. Ici, voilà. Ouais, faut peut-être que je rajoute des maisons un peu. Allez, c'est parti. Ça, je garde ça en zone pour mettre de la nourriture après. Allez, détruisez plus de forêts que ça. Vous êtes long. Ah là là. Ah, victime d'une tornade. Où se trouve cette tornade? Grand vent tourné. Ah, panique chez ces Sims. Vent qui tourne arrive. Sims avoir peur. Oh, c'est pas grave, c'est pas à côté. C'est loin. C'est très loin. Sacrée tornade quand même. Tornade n'a fait aucun dégât. Normal, ma ville est ici. Je peux au moins refaire un truc d'habitation. Enfant gentil. Et tes Sims à vivre. Oh, une petite fille. Qu'est-ce qu'elle dit? Beaucoup animaux. Sims chassés. Vous chassez pas trop là. Hein. Vous êtes plutôt en train de pêcher. Hein. Vous êtes un village de pêcheurs, hein, les enfants. Tellement de bois. Aka argent, mais c'est pas des sous, hein, c'est du bois, mais c'est de l'argent. Tout est de l'argent. Et refaire un truc d'habitude. Une zone résidentielle ici. Voilà. Ah, source de nourriture épuisée. Hep, hep, hep. Avant de continuer, pensez à vous abonner, à mettre un like, à commenter et à me suivre sur Twitch. Bon, reprenons. Bonjour Ed, c'est moi Maxi. Vous avez 8 minutes à m'accorder. Si vos Sims dépendent uniquement de la chasse pour se nourrir, ils vont rapidement épuiser leurs réserves. Heureusement, ils se sont dit qu'en apprenant à cultiver des vivres, ils auraient à manger tous les jours. Terme, nous assistons à la naissance de l'agriculture. Allez-y, placez des fermes près des habitations des Sims. Évidemment, ce n'est qu'un début et les récoltes sont pour l'instant assez limitées, mais cette découverte devrait même leur fournir un mode de vie plus stable. Si vous remarquez que la population n'augmente pas, c'est que vous manquez de fermes. D'accord. Oui, j'ai tout compris. S'ils sont maintenant tout en main pour développer un nouveau régime alimentaire. L'avenir de la ville est entre vos mains. Merci, mon cher Maxis. Donc, hop. On va mettre une ferme là. Pour le moment, ça devrait suffire à les sustenter. Non, pas assez pour se sustenter. Donc, on va refaire une ferme ici et une ferme ici. Pour remplacer la pêche. Hop, petite place publique ici. Et on va juste augmenter la route hein, pour l'instant. Ils ont du mal à couper le bois. Ah, une tornade. C'est génial. Parce que je crois qu'elle est du mauvais côté par contre la tornade. Juste comme ça, tornade, je crois que la ville elle est de l'autre côté. Il faut faire demi-tour. Non, d'accord. Vous n'allez pas avoir peur, la tornade elle est à l'autre bout du monde. 3, 3. On va mettre une ferme ici. Éviter les bêtises. Et hop, un truc d'habitation ici. Ah tiens, il y a assez pour faire une zone résidentielle ici. Hop, une petite zone résidentielle. Le plaisir. Habitation ici, habitation ici. Ça ira très bien pour le moment. Ils vont me dire de rajouter des fermes dans peu de temps par contre, ça je le sens, mais bon. Ah, une tornade, où ça? Oh là. Bon, elle a l'air d'être loin, donc ça va. Oui, vie moyenne, 15 ans, oui, ouais, oui. Ce que je dis, ils ont pas une grande espérance de vie. Voilà, il s'est rien passé, la tornade n'a fait aucun dégât. Vous pouvez arrêter d'avoir peur. Enfin, ajouter 10 fermes, problème d'emploi, ajouter 10 fermes. Problème de tornade, ajouter 10 fermes, plus de monnaie et détruisez 30 fermes. Exactement, mon cher Azuno. Plus de zones résidentielles.
Je me suis un peu gouré, mais ça va. J'ai réussi. On va atteindre les 1000 de population et on va rajouter tout de suite une nouvelle place publique. Voilà. Bon, allez, on va agrandir un peu par le sud aussi. Et par le sud. Je dis le sud parce que pour moi, c'est vers le sud. Une petite ferme ici. Une autre petite ferme ici. Pour être sûr d'avoir suffisamment de nourriture et des zones résidentielles. Parce qu'on aime rajouter des zones résidentielles. Encore une tornade? Encore. Où ça? Ça fait beaucoup Oh là, non, là, elle est non? vraiment à l'autre bout de la map, la tornade. Cours, petite! Cours! Cours pour ta vie! Je m'arrêterai là. Azuno, tu connais la suite. Pour voir, ils ont de quoi de se sustenter, comme on dit. Allez, on a dépassé les 1000 habitants. En une demi-heure, GG! Tellement de bois! Ah, tellement de pognon! Même si c'est du bois, c'est tellement de pognon! On va remettre une zone résidentielle ici. On va en mettre une ici. Voilà. Jusqu'ici, tout se passe bien. On n'a pas trop eu affaire aux tornades. Comment je dis ça ou j'en chope une? Bon, on ne devrait pas atteindre la ville. Tout doit bien se passer. Normalement, on espère que tout se passera bien. Ouais. Quand je vois vers où elle arrive, je me dis pas sûr en fait. Non, c'est la forêt. De l'autre côté, ça va. Zone résidentielle. Zone résidentielle ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Allez, masse habitants d'un coup. Bon, je suis sûr à 99% qu'on va me dire, ah, on manque de nourriture. Manque de nourriture, c'est parti. Ah. Ah, coucou SYZ, comment tu vas? Ah oui, non, mais cette musique, elle est d'un posé. Ah, dommage, je pensais pouvoir faire là. Je vais laisser ce trou là. On va en rajouter une ici, allez hop. Oui, switch. Nani? Je suis à combien de... Oh! 1700. Il faut refaire une place publique. Faisons là ici, la place publique. Hop. Voilà. Encore des habitations ici. Je fais des habitations partout. Plus de gens. Plus il y aura de gens, plus vite ils couperont la forêt. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va me réclamer une ferme dans pas longtemps. Je vais la mettre tout de suite. Et ben on va refaire une place publique tout de suite. Parce qu'on va largement avoir les 2000 personnes dans pas longtemps. Je sais pas si je fais une résidence ici, ça passe. On va voir. Ah, un message du maire. Alors, on attend les 2000 personnes, c'est pour ça. Qu'y a-t-il? Oui. Entre les champs à cultiver, les maisons à bâtir, les enfants à élever, les Sims sont de quoi faire, mais ils se sont dit que la vie serait plus facile si vous pouvez partager la compétence et leurs produits, comme la fabrication d'outils, les cultures et les tisanes des vêtements avec deux Sims. Ils ont besoin d'un endroit où ils pourraient échanger le fruit de leur labeur. Comptoir de troc. Ok, c'est parti. Donc en gros, zone marchande quoi. Les magasins. Zone marchande ici. Non, pas ici. C'est bien centré ici, je suis pas trop. En faisant une là, bien éloignée du reste. Une ici, on va construire la route après. Ici, j'ai pas envie non plus. Ici. Voilà. Ah, ils ont plus assez de nourriture. Ah, fallait le dire tout de suite. Je refais des fermes s'il y a plus, y a plus de quoi bouffer, les gars. Ah, la ville est victime d'une tornade. Au secours. Wow. C'est là où il y a déjà une autre tornade qui est passée, ça devrait aller. Ah non, ça va pas le faire en fait. Pas du tout. La panique. La grosse panique actuellement. Oh, ça va. On a détruit 6 bâtiments. Ouais, c'est pas grand-chose, dirons-nous. Je sens que par contre, on va me dire, ah, tu manques de culture, on peut pas venir, on a faim.
on a faim, on a faim. On connaît les révoltes à cause de la bouffe, hein. Voilà. Qu'est-il ? Ah, symbole de l'époque. Parfait. Ouais, vas-y. Place-le là, au milieu de tout, de la cambrousse. Et on va refaire un petit comptoir aussi. Voilà. Donc on va arrêter le live. J'ai juste faire une petite ferme en plus parce que je vois qu'il réclame de la bouffe. Oh.